Allez, on y va tranquillement. Oui, bonsoir, monsieur McGallaghan. Bonsoir, madame, vous allez bien ? Très très bien, et vous ? Bah écoutez, ça va plutôt pas trop mal. Dites-moi, on peut se voir à 19h ? Oui, sans problème, je vous attends. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure à l'agence, hein, du coup, on fait comme ça ? Ouais, on fait comme ça. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Aux abordis. Allô ? Ouais, ça va, mon petit Jameson ? Ouais, ça va, Jonathan ? Bon, ça va, et toi, Jameson ? Ouais, nickel. Dis-moi, à 19h, on a rendez-vous avec l'agence immobilière, on va prendre nos villas, là. Ok, ça marche. Donc là, je fais un maximum de cours, j'amène un maximum d'argent. T'as prévu un petit article ou pas aujourd'hui ? On travaille, j'attends des nouvelles de mes journalistes, là, on travaille sur plusieurs sujets. Ah, donc, s'il y en a un qui finit, ouais, je le mettrai. Ah, c'est bon, ça. Bon, ouais. Ok, tiens au courant. Ça marche, à tout à l'heure. À tout. Et allô, vous vouliez un taxi, monsieur ? Exactement. Quelqu'un vous a appelé ou pas ? Et non. Eh ben, j'arrive tout de suite. À tout. Par contre, 4 km, qu'est-ce qu'il est parti branler là-haut, celui-ci ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Bah, et vous ? Bah, qu'est-ce que vous faites là comme ça au bord de l'autoroute ? Ah, petit mal de crâne, écoutez, hein. D'accord, c'est le quotidien. Sale taxi, s'il vous plaît. Ah, vous avez eu un petit mal de crâne et vous étiez en taxi ou pas ? Oui, oui, oui. Mais il n'y avait pas de client avec vous ? Non, non, non. Non, je suis revenu de centre du champ. D'accord, ok. Ça s'est bien passé ? Vous avez déjà eu votre augmentation ou pas ? Oui, bah oui, c'est ouais, vous ouais, qui ouais. m'avez fait. Bon, j'en prends une deuxième si vous voulez. Ouais, mais vous en aurez une, mais chaque chose en son temps. Notez bien qu'on ne peut pas augmenter toutes les minutes. Mais dans une semaine, revenez vers moi. Si vous continuez à taffer comme ça, vous aurez encore une augmentation. Ouais, c'est sympa, monsieur. Et vous mettez une petite annonce à chaque fois Twitter ou pas ? Ouais, je le fais plus parce que les gens savent que je suis là. Bah, n'hésitez pas quand même à le faire hein, pour les nouveaux clients. Ouais, je vais le refaire, ouais. Donc là, vous reprenez le service ou vous faites une petite pause ? Non, je reprends le service. Un peu rentrer. Les lever dans la banque. Bien sûr, bien sûr. Ah là, ça fera 60$. Tenez, je vous donne le reçu. Et merci. Merci, monsieur. Allez, bon service. Hein. Et bonne journée. Oui, allô ? Oui, bonjour, vous avez appelé un taxi, monsieur ? Oui, tout à fait. Eh ben, j'arrive de ce pas. Si un collègue vous appelle, dites-lui que c'est bon, je m'en occupe. D'accord, très bien. À tout de suite. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, monsieur ? Je vais aller au Pôle emploi, s'il vous plaît. Eh ben, excusez-moi. Allez, c'est parti. Vous avez déjà mis sur le GPS ? Monsieur ? Monsieur, restez avec moi, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Vous allez bien ? Oui, ça va. Bon, attendez, je vous emmène vite alors. Ah. Là, j'ai reçu un message sur le GPS. Les taxis vont devoir cesser là dans une petite minute, donc je vous y emmène vite fait. Attention, vous êtes prêts à attacher votre ceinture, ça va déraper, hein. Wow. Wow. Ah oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. N'hésitez pas à décrocher quand on vous appelle, monsieur. Le problème, c'est que juste que... Je sais pas, j'ai pas eu d'appel en fait, c'est ça qui est bizarre. D'accord. Bon, dites-moi où vous voulez aller, monsieur. Voilà. Bah, vous allez bien, monsieur ? Bien, et vous ? Bah, ça va plutôt pas trop mal, écoutez. Des petits soucis en ce moment, je suis très fatigué, il y a quelques tempêtes et tout. Mais bon, ah, ça... j'ai eu ça, j'ai eu quelques mal de crâne aussi. Ah, vous aussi ? Ouais, mais en ce moment, avec ce qui s'est passé à Rouen, c'est à l'autre bout du monde, hein, mais bon, vous savez, les émanations de gaz et tout, on sait jamais, hein. Ouais, ouais, je me doute. Les fumées, les toxines et tout, on espère juste que ça va se régler bientôt. Ouais, je me doute. Ah, vous travaillez dans quoi, monsieur ? Ah, bah, là, je viens d'arriver en vélo ! Moi j'ai eu un petit problème de tête. Oh, y a pas de soucis. Ah, c'est très violent, hein, c'est très violent. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Et là, pourquoi vous allez à l'aéroport ? Vous repartez ? Ah non, c'est juste qu'ici je vais. Je crois en tant qu'abatteur, je prends mon service là. Ah, vous êtes abatteur ? Apparemment ça rapporte bien. Apparemment, ouais. Mais je sais pas si vous travaillez dans le taxi, je sais pas si c'est vous le propriétaire ou quoi. Je sais pas si vous recrutez ou pas. Ah, pour l'instant, non, on est malheureusement au complet. D'accord. Attendez, bougez pas, je vous facture. Voilà, attendez, hop. Voilà, ça fera 65$, monsieur. Attendez, je vais laisser. C'est dans votre poche. Oui, voilà, monsieur. Voilà, merci, monsieur, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Je me suis fait mal. Même du mal à main. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Bonjour. Voilà, bonjour, monsieur. Ça va. Dites voir, ça serait juste pour réparer mon phare droit, s'il vous plaît. Pas de soucis. Okay. Y'a qu'un phare droit, là ? Ouais, pourquoi ? Vous voyez quoi ? Un pare-brise ? Un phare droit, moi. Pour le pare-brise, la fenêtre ici. Ah, la fatigue ! Bon, regardez ça. Vous avez eu accident tout seul, monsieur ? Oui, pourquoi ? Oh, pour savoir s'il n'y avait pas eu de bobo. Non, c'est sur le bord de la route. Ah, ok, très bien. Voilà, je vais sortir le véhicule, on va vous faire une petite facture. Ça marche, monsieur. Allô ? Ouais, t'es où là ? Ouais, je suis au truc de l'immobilier. Bah moi aussi, t'es où ? T'es en haut ? Bah j'arrive... Non, je suis dans les escaliers, j'arrive là. Ah, vas-y, monte. Oh là, bel homme. Salut. Voilà, bah on va l'attendre, elle arrive. Eh ben on va l'attendre là, nickel. Bah ça tombe bien, faut que j'envoie un SMS. On va pouvoir enfin prendre notre ville là. T'as un bisou de Blue, au fait. Ah, tu l'as croisé où ? Sur la radio. Il va bien ? Bah justement, ouais, je suis avec Johnson là. On va louer une villa, ouais. Bah ça va, ça se met bien ? Bah ouais, c'est normal. Bah tu lui rappelleras que j'attends une prime depuis un mois, bonsoir en fait. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Allez, venez, on va aller dans le bureau. Comment allez-vous ? Attends, je suis occupé dans ma villa, là, je te... Ouais, bah justement, parlant de villa... On en parlera après ! Villa, comment ça s'écrit ? P-R-I-M-E, c'est ça ? Bonjour, madame, monsieur, vous allez bien ?
Oui, et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Enfin, moi, je vais pas trop trop bien, je suis un peu déboussolé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, enfin, pareil aussi, mais... Écoutez, j'ai un employé à moi qui a disparu, donc là, je fais au maximum... Ah Merci, ouais. Sagatara, pour c'est un beau bar qu'on a là. Merci d'avoir pour ton 23ème mois. Ah oui. Vous avez des doubles scotch? Tu veux un petit truc? On a tout, ouais, sexe-moi, sors-moi un sex on the beach, s'il te plaît. Bizarrement, j'adore ce cocktail, moi aussi. Ben, je vois que monsieur aime le cranberry, aime la vodka. Oh oui, j'aime avant tout. On aime cela mettre quoi. Ah là là, j'adore ça moi aussi. Il faut bien profiter de la Moi je vais prendre un petit verre de tariquet. Ça commence à devenir chaud ici, hein. T'es aussi agent immobilier, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, exactement. Oh là là, c'est monsieur Fridge que vous avez. Fridge comme les frigos? Oui, oui, si vous voulez. C'est plus facile pour retenir, ça me dérange pas. Le pauvre. Allez, c'est parti, dis-moi tout. Alors, donc vous étiez intéressé par les deux villas, on est d'accord? C'est ça. Très très bien, donc je vous avais dit les prix pour les prix des deux villas, donc que je pouvais pas changer le prix de base. Ni les frais d'agence. Mm-hmm. Mais par contre, on avait 15% de commission que là, là, on pouvait s'arranger. D'accord, ça n'en vient combien par mois, ça? Par jour, pardon. Par jour du mois. De l'année, bien sûr. Hein. Bien sûr, alors, évidemment. Bon, alors, par jour, ça vous revient à 600. Ouais. 600 les deux. Et c'est à quelle heure qu'on est débité? 22h. C'est automatique ou vous vous en occupez? C'est automatique. En gros, Jameson, il prendra celle de... Alors, vous voyez votre carte, là? Mm-hmm. Il prendra celle de droite et moi, je prends celle de gauche. Donc, si vous avez... Vous avez une carte, là, de... Vous avez été à l'agence de tourisme, vous avez une carte, normalement. Mais oui, oui, oui. Vous voyez bien qu'en dessous, il y a marqué les adresses, monsieur Malgalagan. Et faites attention à vous. Avec le... Mais avec non, là, je vois pas, là, je vois le plan de votre immeuble. Putain, l'office de tourisme, c'est gouré de cartes encore. Oh là là. Bon, bref, vous avez compris. Jameson, ça va, je te sens un peu préoccupé. Vous, vous prenez la 2 et monsieur prend la 4. J'ai une mini-migraine. Putain. Je me suis gouré, parce que attendez, parce que moi, j'ai pas le sens de l'orientation. Moi, j'ai celle... Vous avez la carte ou quoi, là? Ouvrez votre putain de carte. J'ai celle de gauche, il a celle de droite. Mais quand on est en face des maisons, j'ai celle de droite, Jameson, il a celle de gauche. Habillé, là? Ah bah moi, de je me vois totalement habillé. Ah, nickel, impeccable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'avais une petite vision comme quoi j'avais plus de pantalon, c'est pour ça. Ouais, mais ça, tu sais que c'était soirée. Ouais, le double scotch qui t'est monté à la tête. Ouais, ben voilà. Hein. Moi, je vois des loup-boutins, je réponds plus de rien. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Au pire, on prend les deux. De toute façon, c'est le même prix. De toute façon, donc, on est le même prix. On échangera les clés. Ouais, mais on peut pas. Ah, parce que c'est pas des clés, c'est à l'iris. Quand tu passes oui, la porte, je vois. Attendez, je regarde mon ancienne carte juste pour être sûr et pas te faire de bourde. Allez-y. Au pire, on reviendra et vous inverserez s'il faut. Y a pas mort d'homme. Évidemment, y a pas mort d'homme. Cela va de soi, bien sûr. Évidemment, cela va de soi en tout cas. Donc à droite, on a dit que c'était qui? À droite, c'est celui qui est pas à gauche. Bonsoir, monsieur. Oh, punaise. Moi, de vue de haut, sur la carte, c'est moi. Non, c'est Jameson. Donc... C'est Jameson. Ah, non, là, là, à gauche, là, là, c'est là. Moi. À gauche, c'est vous. Non, donc, non vous, c'est moi 4. À gauche. Non, sur la Jameson, c'est moi. On va jamais y arriver, non, mais c'est pas possible. Ah, mais faut suivre dès le début aussi. Quand vous aurez votre carte, vue satellitaire. Vous, c'est la 2, donc c'est la 4. Moi, c'est celle de gauche. Là, celui qui l'avait. Ok, donc vous c'est la 4, voilà. On est d'accord, c'est bon, j'en suis sûr et certain. Ouais, bonsoir monsieur, ouais. Oh, excusez-moi, je suis un peu dyslexique. Non mais y'a pas de soucis, hein. Vous pouvez vous identifier en hélicoptère, ça n'en regarde pas. Ouais, je suis là. Oh. Elle est où ma prime? Bon allez, on y va. Du ma coup, prime pour les frais d'agence, on est à 15%. Non, parce que tout le monde s'achète des boutons de baraque, moi j'ai même pas 10 000 en banque. Si vous voulez, moi je suis prête à effacer les frais de dossier. Ouais, on se rapproche, on sera plus intime. Bien sûr, Oui, allons-y, hein, soyons fous, après tout. Attendez. Allez-y. Voilà, c'est bon, on y va. Bon, messieurs, soyons sérieux. Toujours. Soyons. Donc, vous, c'est la numéro 2. On est tous les deux à 600 par mois. D'accord. What? Sachant que vous me donnez 600 en plus. 600 par mois ou par jour? Par jour, pardon. De l'année. Vous me faites perdre mes moyens, non mais c'est pas possible. Bah, c'est fait exprès. On fait souvent cet effet-là, ouais. Donc, on avait parlé hier, du coup, des services taxi gratuits pour moi et mes employés. Bon, sachant qu'il en manque un, là. Ouais. Attendez. Je gagne $60 par jour et je dois offrir des services taxi à tous vos employés? Techniquement, ils sont plus que deux. Mais techniquement, moi, j'offre des services taxi qu'à vous. Mais techniquement. Parce que moi, une course taxi, c'est déjà plus de $60, madame. Ça reste entre vous et moi, mais... Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais après... Donc, vous aurez des courses taxi gratuites, mais vous seul. Après, partez du principe que nous, après, on aura nos véhicules. Donc, on vous sollicitera de moins en moins. Ah, je suis pas sûr. Je vous assure, je vais acheter mon véhicule là bientôt. Non, je vous assure que je suis pas sûr. Vous savez, les véhicules, ça tombe vite en panne dans cette ville, hein. Ouais, ou ça se fait vite voler, hein. Oh, oui. Pareil, hein, un bras cassé. Imaginez, vous avez le bras cassé. Ça serait dommage. De pas pouvoir conduire. Ah, oui. Ah, c'est pas faux, ce sera handicapant, hein.
Ça serait énormément handicapant, hein. Vu comme ça, bon, heureusement que je travaillais un petit peu à l'hôpital et que je connais les médecins, ils pourront me rafisteler ça. Ouais, mais un bras cassé, ça reste un bras cassé, vous savez, il faut du temps. Bah oui. Comme ça. Oui, donc du coup, oui, je disais que moi, ça m'aurait arrangé un petit service taxi pour moi et mes employés, mais je vois que vous n'êtes pas d'accord pour subvenir aux besoins de mes employés. J'ai éternué. Cache-toi pas derrière, mon bâtard. J'ai éternué et c'est parti tout seul. Bon, excusez-moi, vous disiez. Donc oui, j'essayais de voir si vous pouviez arranger les courses taxi pour mes employés. Sachant que moi, j'aurai bientôt mon véhicule, donc je vous solliciterai de moins en moins. Vous nous solliciterez, vous inquiétez pas. Hein. Attendez, j'ai une paire de chin-chin. Bon, comment vous expliquer, madame? Je vous apprécie... Okay, donc... Attendez. Oui, moi également. Donc on part du principe... Beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous apprécie beaucoup. Vous m'appréciez beaucoup. Mm-hmm. Jameson vous apprécie beaucoup. Ouais. On s'apprécie beaucoup. Voilà, nous apprécions beaucoup. Jusqu'ici. Vous avez un petit copain ou pas, madame? En déplacement. D'accord, il est en déplacement. Oh. C'est ça. Il revient une semaine par-ci par-là, c'est jamais fixe. D'accord, écoute. Les absents ont toujours tort. Bien sûr. Vous aimez votre petit copain ou pas? Énormément. Bien sûr. Il y a des gens à qui vous tenez. Effectivement. Bien sûr. Écoutez, madame, va falloir que vous fassiez un effort. Et je fais un effort. Mm-hmm. Moi, je veux bien vous offrir les services taxi, y a aucun problème. Uh-huh. Mais si je le fais à tous vos employés, moi, c'est du 200, 300, potentiellement $400 par jour de manque à gagner. D'accord? Alors que vous me proposez $60 en moins par jour. Vous avez vu le calcul ou pas? Oui, bien sûr. Donc, je vais vous demander gentiment de réviser votre offre. Soit vous offrez plus, soit vous demandez moins. Mais il va falloir équilibrer la balance, si vous voyez ce que je veux. Ok, alors on part du principe que le service taxi n'est que pour moi, d'accord? Ouais. Mais, j'appelle un taxi. Ouais. Nous sommes trois. C'est moi qui appelle le taxi. C'est gratuit. Nous sommes trois dans le taxi. Ouais, vous êtes dur en affaires, hein. Ah ben, écoutez, je propose une... Donc si moi j'appelle le taxi, que je suis avec mes deux employés, le Madame. Taxi est gratuit, étant donné que c'est moi qui ai appelé le taxi. C'est bien sûr. Mais il laisse un pourboire par contre. Bien sûr. Ok, très bien. Bah comme ça me va. Petit truc. Uh-huh. Écoutez bien, je vais pas y aller par quatre chemins. Si jamais il y a quelqu'un d'autre de votre agence immobilière qui se fait passer pour un agent immobilier, mais qui n'est pas un agent immobilier, c'est juste un ami à vous, et qui profite de ce service-là. Oui. Il finira au fond d'un coffre. Allô? Et la suite, je vous garde la surprise. Oui. Est-ce que c'est noté pour vous? Ok, c'est noté. Donc en gros, si moi j'appelle. En gros, pas me prendre pour un con. En gros, si moi j'appelle le service taxi, que je suis avec deux personnes, mais que ces deux personnes, il y en a un qui fait pas partie de l'agence immobilier. Voilà. Ah, ok, d'accord, j'ai bien compris. Je veux bien être gentil, mais vous vous doutez bien que ma gentillesse a tout de même des limites. Je comprends. Mais justement, j'ai écrit un petit contrat histoire que ça soit notifié. Je vous l'enverrai par mail. D'accord. On fera une petite photo tous les trois. Va falloir faire des petits changements. Oui, je pense. Du coup, par la suite... Comment il s'appelle votre copain, s'il vous plaît? Mon copain? Il s'appelle Sylvain, mais là, il est pas en ville. D'accord. Il vient très rarement. Il fait quoi comme travail? Il travaille dans le transport, également. C'est pour ça que... D'accord. Ok. Et en ville, il travaille dans le transport aussi? En ville, non, il travaille pas dans cette ville. D'accord, ok. Il vient juste pour des vacances, pour venir me voir. Est-ce qu'il est aussi beau que Johnson? Bah forcément, c'est le plus beau à mes yeux. Ok. Ça me déplaît fortement, ça. Oh, mais vous êtes très charmant également, monsieur... Ça fait mal. Magalgam. Merci. Même si vos loup-boutins vous donnent 4 mètres de plus que les autres habitants de cette ville, mais bon. Et ça, j'en suis vraiment navré. Vraiment. Et vous voulez négocier quoi avec mon ami ici présent? Alors du coup, on avait déjà réfléchi à tout ça. Avec, la publicité. À de la publicité, donc... Bon bah Vod, désolé gros. On en avait discuté de faire un petit breaking news tous les jours si possible. De l'agence immobilière. Vous savez combien ça coûte un breaking news à l'unité? Dites-le moi. Ça coûte la bagatelle de $2000. D'accord. Donc moi, je veux bien vous faire des breaking news, mais il va falloir faire des breaking promotions. Ouais, c'est surtout qu'il ne faut pas demander des breaking news tous les deux jours, quoi. Ah bah non. Parce que qui dit breaking news dit article souvent. If you see what I mean. Yeah. Oh, madame est bilingue. Yeah, vous avez quel âge, madame? J'ai 26 ans. C'est la fleur de l'âge. Oui, bon, l'alcool, on tient moins, hein, moi je vous le dis. On a plus 20 ans. Hein. Vous êtes maline, vous, hein. En fait, vous négociez avec tous les groupes de la ville, c'est ça? Je négocie avec tous les groupes de la ville? Non, pourquoi? Avec qui d'autre vous avez négocié quelque chose? Dites-moi tout, s'il vous plaît.
Personne d'autre ? Personne vraiment, d'autre ? Vraiment ? Vous êtes sûr ? De mémoire comme ça, non ? Pourquoi ? Vous pouvez m'en dire plus ? Non, 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 c'est juste pour savoir les potentiels clients. Moi, je vais plus symbole. Ouais, j'avais mal au crâne, je reviens. Ouais, ça m'a saoulé. Allez. Bon, la tempête m'a fait réfléchir. Ah, je vais vous laisser tranquille. J'espère que c'est un peu plus intéressant, par contre. Bah, par contre, va falloir se taire et pas en parler. Deuxième mois. Ah. Ah. Parce que si je fais ça à vous et que ça sort de ces murs... Vous pouvez avoir confiance, quand même, en tant que directeur. Ça va créer des polémiques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien, je vous enlève les frais d'agence, messieurs. De combien ? De 600, du coup. De 600. Attendez, expliquez... Donc, en gros, je vous fais payer juste le loyer. De qui est de... Qui est de 600 par jour. Ouais. Normalement, vous auriez dû avoir 600 en plus aujourd'hui. Ouais. Plus la commission de 15%. Ok. Mais je vous enlève la commission et les frais d'agence. Donc là, il n'y a plus de grosse commission, quoi. Non. Donc là, il n'y a plus. Moi, écoutez, ça nous va. Mm-hmm. Mais n'abusez pas de nos services. C'est tout ce que je vous demande. C'est-à-dire, faites en sorte que ce soit raisonnable et que ça soit donnant-donnant. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez je pas suis me faire... une femme raisonnable. Voilà. Me faites pas des cadeaux de 60 balles par jour si chaque jour, vous allez me demander derrière 500 balles de taxi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que moi, ça me met dans la merde. Vous, ça vous mettra dans la merde. Et Jameson, ça sera pareil. Si vous lui demandez des breaking news tous les jours... Ah, vous comprenez qu'il s'y retrouve pas. J'entends, mais non, ce sera pas tous les jours. La totalité de nos biens sont quasiment tous loués là, à l'heure actuelle. Voilà. Ça tourne bien. Ça tourne bien, oui. Donc on est d'accord, des services taxi, donc juste pour moi. Juste pour vous, n'en abusez pas. Et avec des employés, si ils m'accompagnent. Voilà. Et du coup, comment on fait si j'ai une personne qui ne fait pas partie de mon entreprise ? Eh ben, soit vous le mettez dans le coffre, soit il finira dans mon coffre. Ou soit il paye la course. Ou soit il paye la course, tout simplement. Ok, j'entends. Ben, j'espère, je vous parle. Elle entend. J'entends. Tu m'entends, toi, Jameson ? Bah, je t'entends. On s'entend, nous nous entendons. Bah d'accord, parfait. Bon bah signons ce contrat alors, hein, dépêchons-nous. Ça marche. Je voulais envoyer donc par mail. Ah, par contre, attendez. C'est un prélèvement tous les jours à 22h. Ça commence pas à 22h là, hein, parce que pour 2h, moi c'est pas assez hors de question. Hein. Ah, comment on fait ? Bah, comme vous voulez, si vous voulez, on attend 22h. Et ben dans ces cas-là, vous nous l'attribuez à 22h. Faut que vous soyez dans mon bureau. J'y serai pas. vous savez ce qu'on fait ? Voilà ce qu'on va faire. Dites-moi. On va le faire signer. On va le signer maintenant. Vous me donnez 600 balles. Vous donnez 600 balles à Jameson. Et vu que ça sera prélevé de notre compte, vous les récupérez dans 2 heures. Ça marche ? Ça marche. Vous y perdez rien. Voilà. C'est un échange de bons procédés. Exactement. On garde de bonnes relations. Voilà. Exactement. Ça me plaît, ça. Et puis on sera amené à se revoir. Voilà. Bah, j'espère bien. Ça vous m'avez l'air d'être très sympathique. Voilà. Ouais. Ça vous plaît ? J'entends. Voilà. J'entends. Et ben si ça vous plaît, ça me plaît. J'entends. Voilà, ça me plaît. On se plaît ? Voilà. Venez en face de moi. Du coup, pour le contrat que je vous ai envoyé par mail, est-ce qu'il sera rempli ? Est-ce que vous pouvez l'envoyer à monsieur... Le contrat, vous aurez une réponse pour dire que j'accepte. Ah bah non, mais je peux pas vous assigner un appartement si vous acceptez pas le contrat, monsieur. Non, mais je viens de vous dire que je vous dirai que j'accepte. Ah ok, vous acceptez. J'accepte votre putain de contrat, oui. Vous acceptez mon putain de contrat, ok, voilà. Ça marche. Je vous dirai par email, j'accepte. Ah bah non, vous voulez pas remplir mon contrat. Et comment ça me faire chier, elle, non ? J'entends. Voilà. C'était bien. Bon, allez, attends. Et bouge pas. Et Jameson, il a un contrat ? Ben oui, c'est le même. Oh, okay. Putain. Envoyez-le là, Jameson, il va le faire, s'il vous plaît. Okay, parce que moi, j'ai une écriture de bébé, moi. Bon, je signale le mail quand j'aurai, ok ? Ok. Bon, allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. On les prend. Le temps, c'est de l'argent, ok ? Et on en a pas beaucoup. Ah bah ouais, moi non plus, j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais nous, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vais vous dire que mon frère, il va commencer à ouvrir les portes de l'enfer et moi, je serai à côté, hein. C'est pour ça, si on doit se marier, c'est bientôt, parce que je vais pas passer l'hiver. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il va le remplir, votre putain de contrat. Sinon, on se retrouvera. Vous inquiétez pas. J'entends. Mais directeur journaliste, je suis directeur taxi. Vous savez où nous trouver s'il y a un problème. Ouais, je sais où vous trouver. Sinon, j'aurais aimé faire une petite photo avec vous. Mais pourquoi vous voulez une photo ? Et pour valider le contrat, messieurs. Non, mais attends, mais. vous allez trop loin, là. Ok, photo. Allez, soyons fous. Allez-y, hein. Oh non, c'est pas possible. Bon, allez, attendez. Écartez-vous, monsieur Jameson, s'il vous plaît. Allez, faites une photo, hein. Ouais, vas-y. Allez, coquine. Ouais. Vas-y, j'entends, hein. Eh ben voilà. Vous m'avez fait un câlin, là. J'en ai profité. Pourquoi vous me pointez du doigt ? Hein ? Mais non, je pointe la plante. Attendez. J'appelle Eric.
Restez ici, restez ici. J'entends, j'entends. Voilà. Ça sent le foutage de gueule, là, non? Non. Mais non, c'est bon, vous avez pas dit bon, vous aimez pas les câlins? Allez, vous êtes prêts pour la petite photo, messieurs? Ah, je suis sûr que vous en rêvez. Allez, venez. Et elle nous fait chier avec ces photos, par contre. Hein. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ricardo, je suis occupé, je te rappelle. Ok? C'est bon. Car c'est cool, les employés, là. Vous connaissez Charmed? Voilà, mettez-vous en triangle. Ah, ok. Voilà, un à droite, un à gauche. Allez, c'est parti, vas-y, Eric. Hop. Dit cheese, hein? Ah, cheese! C'est tout bon pour moi. C'est magnifique, ça sera sur le contrat, messieurs. Impeccable. Oh. Ah, d'accord. Allez. On va visiter nos propriétés. Vas-y. Très bien. Vous venez avec nous ou pas? Bah oui, je viens avec vous. Eric? Ah. Oui. Tu viens avec nous? Ferme ta gueule. Dis-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu viens avec nous? Ah, bah d'accord, ok. Mais attends, je le connais, lui. Mais je le connais, celui-ci. Mais je le connais. Aussi, vous. Eh oui, je le connais pas. Regarde. Bah voilà. Ça va, Parkinson? Bonsoir. Ah, bah si. Bonsoir. Quel cousin? Et on fait comment par contre pour y aller? On appelle un taxi? Vous êtes pas venu en voiture? Bah non. Nous, on n'a pas. Moi j'appelle un taxi. Ah, allez, c'est parfait. Vous inquiétez pas, les taxis arrivent. Moi je sais pas ce qui branle, putain. Les taxis, je vais les engueuler, hein. Il y a une affaire, hein, votre patronne, hein. Ah ouais, à ce point? Ah ça? Ah bah, c'est la patronne, hein. J'espère qu'elle vous paye pas au lance-pierre. Hein. Ah bah. On est obligé de la visiter, cette villa? Mais je vois que vous aimez pas les obligations. Non, c'est juste que... Vous savez, en ce moment, j'ai des migraines aiguës un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah oui, je comprends très bien, ouais. Et là, ça sent que je suis migraineux, là, ce soir. Hein. Y'a qui est en ville, là? Non. Bah allez, après... donnez-nous 10 minutes de votre temps, voyons. Et vous faites quoi? C'est pas que je les ai pas, les 10 minutes, c'est que... Voilà. Ah, voilà. Putain. Voilà. Allez, j'ai pissé. Oh là là. Je pense que c'est...